parce que les marchés avaient une puissance économique. À cause de puissance économique, lui, il envahit tout partout. Par contre, l'on prend la Chine qui a développé le commerce, qui positionnait pour le numéro un en fait business, ou les États-Unis, oui, anglais, c'est le campé en flèche, mais made in China, c'est made in China. Ça veut dire que produit a fait en Chine. Donc là où une puissance économique, la Chine qui a monté, avec une puissance linguistique, anglais qui a monté, qui prend le fait que yon obligé d'entendre avec l'autre. En ce sens que l'anglais n'a pas qu'à arrêter pour éliminer la langue chinoise. Là, il n'est pas capable. Parce que la chinoise, là, il marche avec une puissance économique d'elle. Et la langue chinoise, là, il n'est pas qu'à facilement empêcher l'anglais d'ouvrir ses lits. Parce que l'anglais a déjà pris un pile d'espace à travers le monde. Moi, je pense, par contre, au fur et à mesure que linguistio y a travaillé et l'autre monde comprend qui travaille, qui vient pour faire au niveau psychologique, ça pral aider qu'il y ait plus respect entre langue et langue. Longtemps, la caille, il y a un faux débat qui peut qu'on mourir, qui continue à faire des gars. Pourquoi ça me dit son faux débat? C'est là, il y a une bataille, est-ce qu'on peut plutôt français, est-ce qu'on peut plutôt créole? Comme si je t'ai dit, si on peut plutôt créole, il ne faut pas parler français. Ou bien si on peut plutôt français, il ne faut pas parler créole. Son faux débat, je l'ai dit. Si mon est intelligent, il a le pouvoir dans ses vols pour l'apprendre ni créole ni français si nous avons le moyen. Donc, au lieu de nous goûter pour nous dire nous pas dans français, c'est dans créole seulement. Ou bien nous pas dans créole, c'est dans français. Nous avons le goûter pour nous mettre possibilité. Ça qui plus remet créole, l'avance plus à créole, ça plus remet français, l'avance plus à français. Mais au moins, il y a égalité, il y a respect pour toute langue. Donc, je n'ai pas peur anglais. Lem camper sous racine créole moi parce que m'ba honte créole moi ni m'ba maintenant tête moi que m'gon puissance économique qui marche à créole là qui capable correspondre avec puissance économique qui derrière anglais ou bien qui derrière français ba là le plus psychologique que économique li d'abord psychologique avant que l'économique si psychologiquement dans l'esprit chaque monde moun nan convaincu que langue parle la son langue tant que toute langue il pas pour honte langue là il pas pour sentir l'inférieur de la parler l'anglais ni il pas obligé parler français pointu même Jean français a parlé français pointu il suffit que lui respecter règle grammaire lui parler français Jean le capable sans le pas sentir complexé et ben laisse ça il gagne la paix dans ses vols nous qu'on habitué dire la paix dans tête la paix dans ventre la paix dans tête là il a tout au niveau psychologique pour mon nan senti que li son moun tankou tout moun l'anglais son langue tankou tout langue li pa gen pou le senti l'inférieur l'el campon côté pour la parler langue parle et c'est pas ça qu'empêchait que la prendre plus langue d'ailleurs gen de les moun mande mais et ti moun pou yo ki langue yo parle me dit exactement si m'a dit ou parole nan bouche moi faut me prouver dans la pratique les ti moun yo commencé parler créole m'parle créole avec depuis au fait. Maman yo fait aux États-Unis, même s'il c'est haïtien natif natal, parce que papa le maman c'est haïtien natif natal qui fait en Haïti. Yo tout parle créole, mais maman parce que li apprend anglais depuis le fait, il était capable de commencer à apprendre timoun yo anglais depuis le fait. Nous pas fait comme ça. Mais nous pas empêcher timoun yo garder, par exemple, un film petit comique en anglais pendant que les n'a pas avec yo, c'est créole nous parle avec yo. Les yo commencé à avancer. Nous parlons et créole, et français, et anglais avec eux. Kounye a, yo parle 4 langues, pas aussi bien une que l'autre, mais presque. Parce que yo apprend espagnol tout. Pour qui ça m'a appris espagnol, yo gagne 7, 8, 9 ans. Parce que yo gagne une base linguistique qui est solide, puisque yo pas gagne complexe la donne. Le fait que ti moun nan wè que ou te parle créole avec lui, li pa honte créole là, li wè ou parle français avec lui, li pa complexe devant français, ou parle espagnol avec lui, il n'est pas complexé. Donc, je pense que la grande génération qui a venu côté Timoun en Haïti a appris la langue plus vite parce qu'il y a moins de gêne de langue panouan, langue maman créole. Hier soir, précisément, le président Mbeki, première dame, le ministre de l'Éducation nationale, plus plusieurs autres personnes qui sont dans le bureau président, ils étaient dans la cérémonie à l'université. Et
à la fin, nous avons parlé. Et nous avons remercié le président dans la conversation nous, pour la dernière lettre que l'écrit chaque semaine, l'écrit une lettre par rapport à l'esclavage. Et il y a un peu d'haïtien sur Internet là, qui a eu l'occasion de lire, côté président Mbeki, commencer l'être ça avec un passage, plutôt un paragraphe sur Haïti. Côté le rappeler, qui gens, anciens ancêtres africains, ont été arrivés en bas, qui ont été gommés pour l'esclavage, etc., etc. Et puis il parlait de Toussaint Louverture. Président Mbeki a eu pile admiration pour Toussaint Louverture. Lili en pile sur Toussaint Louverture, tout le connaît personnalité, elle connaît qui ça Toussaint Louverture représentait pour le monde entier, pas seulement pour Noir, mais pour le monde entier, par rapport à ça qu'elle t'a fait et ça qu'elle t'a subi. Dans travail recherche ça, il y a une documentation qui montrait que les gens français ont avili l'image Toussaint Louverture. Je choisis de avili l'image Toussaint Louverture parce qu'il n'y a pas de cas avili Toussaint. Il a écrit vieille bagaille pour sale image Toussaint, pour traiter de tout ça qui pas bon. Même si c'est grâce à Toussaint que la main Napoléon a gagné une si grande personnalité dans le temps qui était Toussaint Louverture et qui a fait une série de merveilles à l'époque. Donc, si je dis, yon moun gade lettre président Mbeki écrit sur finissement de l'esclavage, il commençait avec contribution Haïti dans combattre l'esclavage ou aller dans travail recherche ça par coïncidence ou pour aller joindre documentation qui montrait qui gens y était utilisé langue à l'époque français y était utilisé langue français pour kembe moun dans l'esclavage métien dans cerveau africain en Haïti esclave t'ap utilisé langue payo créole pour casser chaîne dans cerveau pour permettre que moun qui était déjà libre joindre l'autre monde qui vient libre pour ensemble y accoucher 1804 qui vient faire que Haïti c'est premier peuple nègre noir d'Afrique qui prend indépendance dans le monde entier etc. Donc travail ça me pas faire seulement parce que me remet langue me faire tout parce que me sûr li pral aider africain et haïtien joindre en pile racine nous t'ai déjà gagné en commun en base yo les appli travail là nous yon a comprendre l'autre plus et nous yon a corré l'autre plus pour ensemble nous continuer marcher donc m'pa gen doute que ça a fait me rappeler pour me finir yon rencontre publique qui t'ai faite l'en t'a inauguré place tabac dans Port-au-Prince côté comme chinois ont été aidé dans travail ça moi dit peuple haïtien nous mêmes nous sommes grand peuple nous pas jamais gain complexe pour nous dire merci les pour nous dire merci quand nous pas jamais mettre à genoux pour nous dire merci bon papa les ou colon ou bien un nouveau colon t'a voulu faire mettre à genoux nous pas mettre à genoux devant colon ni devant nouveau colon et me dit parce que chinois ont montré respect pour nous nous gain respect pour yo on dit merci dans langue pa yo chier chier psychologiquement ou te ka ouais réaction mon yo content parce que yo ouais y a dit merci dans l'autre langue à monde qui respecte yo. Donc c'est en même temps utilisation un mot dans l'autre langue qui marchait avec fierté, avec dignité, avec ça mon nan gen nan cœur, dans l'esprit, dans compréhension ni, dans sang, dans veine, dans culture, dans l'histoire, respect, dignité, fierté. Moi sûr que si je dis au lieu de chercher en chinois pour dire merci, nous dit les mon bon relation qui établi entre Japon et Haïti côté yo campé dans l'égalité dans le respect avec nous pour nous faire un bail qui belle en nous dit arigato gozaimashita qui veut dire en japonais merci y a content tout parce que yo pas pral dire merci pour flatter ou y a pral dire merci dans langue pao pour féliciter ou parce que ou t'es déjà montré qui gens ou respecté yo qui gens ou comprendre que faut ou respecter dignité yo etc. Et nous sommes capables de passer dans plusieurs autres cas pour montrer qui gens langue là li existait il marchait avec ça qui dans l'esprit moun si longtemps était qu'on utilisait langue
pour mettre chaîne dans cerveau monde, je dis on a utilisé langue pour casser chaîne dans cerveau. Well, if I may close, because time in Zulu there is a fantastic proverb saying Isikati sidliwe inja. Once you say that, you would see the Zulu people laughing and laughing because that means time is over. But word for word, it means the dog already ate the time. Isikati sidliwe inja. So I must leave now. Bon, je n'ai pas quitté le journaliste 10 actes passés pendant que moi-même m'a couru sa média ou journaliste Abdi avec un gros coup de chapeau pour le peuple haïtien. Parce que c'est le peuple haïtien qui était présent hier soir dans l'Université d'Afrique du Sud, qui est une des 10 plus grosses universités qui apprennent la science à distance. Dans le monde entier. Pas en Afrique, mais dans le monde entier. Il y a une 10 pigots. Donc, si le peuple haïtien était là hier soir, il y a une 10 pigots université, ça veut dire que c'est un gros événement. Pour qui ça, le peuple haïtien était là? Parce que le doctorat ça, que je prends avec travail recherche ça, que je fais dans 2 ans, pour me apprendre l'anglais, et apprendre l'autre langue avant de faire travail ça, c'est grâce à peuple haïtien. Parce que depuis l'école primaire, m'apprendre dans mes peuple haïtien et arriver dans secondaire, me continuer à apprendre dans mes toute la vie, c'est un cours dans gros l'école moyen et professeur à ces peuple haïtien. Donc hier soir, c'est peuple haïtien qui recevait doctorat en littérature et philosophie ça. C'est pour ça que me content les mois que même si haïtien qui pas qu'on lit pas ta prend page ou ordinateur pour écrire ça, mais hier soir il tourné docteur, il tourné docteur parce que petit yo vin docteur et ça semblait en pile avec réalité nous gagne dans province la caille. Les un paysan pas qu'on lit pas qu'on écrit mais le fier pour le voir petit l'école et les petites la fait certificat. C'est toute famille qui est contente parce que vous sentez que c'est sué travail qui baille résultat certificat. Si petit l'arrivé docteur, c'est vous tout qui arrivez docteur. Donc ce n'est pas moi et moi seul, mais c'est tout le monde qui apprend moins en pile bagaille et tout le monde qui t'a remé à l'école, qui n'a pas gagné possibilité à l'école, qui recevoir doctorat ça hier soir. C'est pour ça que je suis content comme ça. Premièrement, travail ça pas pour moi encore parce que depuis le mois de novembre 2006 moi remettre université à li c'est pour universitaire donc son exception que me copie sous table là parce que en principe il pas pour moi encore c'est ça qui fait que yo pral publier donc n'attend que université a publié pour nous ka ça kan dan vente li moi ka rapidement dit 2 petits mots sur route que nous sommes passés là-dedans avant ma couche de travail là. Premièrement, les nous arrivés ici en 2004, nous arrivés dans un moment très difficile quand tout le monde connaît, puisque après un kidnapping, un chef d'État pour les retrouver loin la Kaili, même s'il n'a bras grand ni, Afrique c'est grand nous. Certainement, l'esprit l'a pensé à la Kaili et dans un moment ça, c'est côté criminel tapouillé en pile innocent sans mon ap couler l'autre qui est en marron l'autre qui est en exil ça cap crié parce que yo injustice ça a fait devant yeux et yo pas capable empêcher nous songer dans moment ça tout monde sous belle cité soleil tabac la plaine carrefour matissan la fossette grand ravine jérémy sud en fait gay côté m'passité nous là même veut dire dans 4 coins pays là de la savane au caille à tout l'autre quartier populaire la saline de temps en temps dit m'bap cité y a vinn dans bouche moi et ben
moun tap maon, tap mouri, tap crié, tap résisté pacifiquement tout. Lè m'ap pense à ça. C'est pas un bon moment pour apprendre une langue étrangère. Voilà que c'est dans moment ça m'ai commencé à apprendre langue boïcite. Donc ça semblait en pile avec réalité peuple haïtien. Lè pa gen manje nan kay la. Et puis ti moun nan obligé à l'école. Comment pour l'apprendre et apprendre bien? Pourtant c'est réalité ça en pile nan nous connaît côté ou paysan li grand goût malgré li grand goût mais li jwenn possibilité à l'école, li remet l'école, la pa prendre. Moi même t'a pensé à moun ki grand goût nan moment sa yo. T'a pensé à moun ki pa gen courant la caillou pour étudier, c'est en bas poteau électrique, là je jwenn outil lumière, lèm té là. Équipe qui t'a travaillé ensemble avec moi, nous t'ai fait gros sacrifice malgré embargo économique pour nous être capable de mettre courant et pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans la province d'abord. Dans le nord, c'était 24 sur 24, dans le sud, 24 sur 24, et divers de l'autre côté, t'as pris le courant 24 sur 24. Ça t'a facilité, élève l'école, pour être capable d'étudier. Les maps sont que moins courant, v'lait dit plus blackout, v'lait dit ou gen blackout démocratique parce que gon kidnapping coup d'état fait, ou gen blackout lumière parce que ou pas gen électricité, ou gen problème misère grand goût, donc qui j'en pour l'école bien fonctionner. Vin plus difficile toujours. Et l'esprit m'a pensé à souffrance ça pour en même temps m'obliger concentrer pour m'apprendre une langue difficile. C'est pas facile même fait. Et c'est pas apprendre une seule langue, c'est apprendre plusieurs langues presque en même temps, tant que Zulu, qui Swahili. Moi crois que en pile nan nous qui rivé gros docteur en Haïti ou à l'étranger, nous gagne pour nous dit peuple haïtien merci en pile. Depuis mon petit maman me connait dit connaissance c'est richesse. Les en Kiswahili, une langue boïcite, yo dit akili ni mali. Ça veut dire connaissance c'est richesse. Me content apprendre proverbe ça en Kiswahili. Il rappelait me sa maman toujours dit connaissance c'est richesse. Ça veut dire malheureux, malheureuse parents qui comptent valeur connaissance, ils font gros sacrifices pour voyer nous l'école. Eh bien, les nous-mêmes nous qu'à apprendre, nous sentis que c'est une façon pour nous montrer que nous comprenons le sacrifice que nous faisons. Les nous t'as apprendre langue avant de commencer à écrire, travailler ça. Eh bien, nous sentis c'est une façon pour me dire peuple haïtien, m'aimer, fier de vous, ou fait sacrifice pour moi. Ça, c'est la gloire m'a attiré sur tout. Donc, apprentissage de langue, il fait tout à travers l'université et à travers le terrain. L'homme dit terrain, ça veut dire dans la province. M'obliger à aller à KwaZulu-Natal, chita ak malere, paysan, frem, sem, tende yo, comparer ça qui écrit dans le livre ak ça m'a tende ak zore moi, pour moi, non seulement aspect langue là à partir de racine ni, mais aspect psychologique qui derrière l'anglais pour me capable de connecter li avec sa nouvelle psycholinguistique donc qui ramasser et la caille et ici c'est continent qui maman nous Haïti c'est maman nous donc ça permet moi faire comparaison yo plus facilement. Alors c'est pour me dire deux mots sur route moi saute passé à côté moi signaler sacrifice parents habitué fait pour petit yo et qui mélanger avec sacrifice peuple haïtien t'a fait après kidnapping là qui pas créer un bon environnement pour moi-même pour me t'app apprendre. Mais comme m'habituer traverser quand coupe pas ici moment difficile, ça pas t'empêcher que m'apprendre l'anglais et puis m'écrire travail. Il y a plusieurs exemples que nous t'a capable bailler. Mais on prend une. En 1994, les moi venir ici pour investiture président Mandela. Li parler en anglais et puis après ça il parler en ici Xhosa. Mon yori parce que mot ici Xhosa l'on prononce ouais que son l'autre bagaille hein son l'autre bagaille. Bon, m'te senti gon contentement que passé nan étranger visiteur l'autre chef d'état qui était là et peuple africain même les président Mandela commencé parler dans langue mamal qui c'est ici Xhosa. Ça sont un clic qui gagne dans l'anglais. Et clic ça, son clic nous relève
lateral ou prononcer le sous côté ou côté par exemple pour dialoguer c'est ça mot ça veut dire gon l'autre clic nous relève le dental par exemple sorry ou côté là ça veut dire que ou tendez me prononcer un mot mais ouais que gon petit son qui vient là dernier par devant ou côté là hein son l'autre clic. Si je prends par exemple, ça nous relève un troisième clic alvéola, exemple, ou tronda, ou ça a plus fort, hein? Les différents de deux premiers. Les mêmes, nous prononcer le comme ça, parce que faut que c'est comme ça pour nous prononcer. Je vire dans Zulu, il y a environ 15 sons comme ça. Bon, 3 ça qui pi. Vini, qui viennent plus souvent, yo, même si nous avons plusieurs lots encore, il y a 15 au total, environ. Eh ben, ça, c'est l'anglais. Mais le marché avec une vibration qu'on sentit dans l'amour, dans le cœur, dans l'esprit, l'air ou à parler, parce que les différents de l'autre. C'est mal en créole, le créole n'a pas le tout. Je me souviens que je suis venu aux Nations Unies. Eh bien, moi viré sous créole moi ouais réaction psychologique là ça l'a tremblé haïtien était là yo ou senti un courant passer avant ce courant un courant 110 il tourne un courant 220 volts immédiatement parce que au niveau psychologique ça rappelait mon racine ni ça rappelait la culture pâle ça rappelait la réalité pâle qui différent de réalité l'autre langue l'autre monde qui parle l'autre langue ça c'est pan c'est pan bref donc ou pas qu'à garder créole ou bien kiswahili ou bien anglais ou bien allemand ou bien latin ou bien grec ou bien hébreu ou bien portugais différentes langues ça yo sans en même temps ou pas chercher comprendre qui ça qui passe dans l'esprit monde qui parle langue là et c'est dans sens ça me dit que l'on fait psycholinguistique li bon aucun avantage pour comprendre moun pi bien. Créole là, c'est une des premières réactions psychologiques africaines qui est arrivée comme esclave en Haïti. Depuis les météos sur bateau, ça qui est lagé dans la mer, yo lagé dans la mer pour montrer que yo pas d'accord avec esclavage là. Donc dans mai yo, dans l'esprit yo, yo pas d'accord. Là yo rive la caille, yo inventon langue. Yo accouchon langue qui sont l'autre expression de rejet, rejeter esclavage là. Même si je suis obligé de travailler comme esclave, mais dans l'esprit, je suis obligé. Là, je suis arrivé en 1804, je suis venu joindre une autre image politique de sorte déjà ouais, comme image linguistique. L'image linguistique, là, c'est l'accouchement l'anglais. L'anglais existait avant 1804. Donc, psychologiquement, nous avons déjà montré que nous sommes libres de par l'accouchement l'anglais. Politiquement, nous venons prouver. Les en 1804 dans cette nouvelle cassation esclavage là. C'est ça qui fait jusqu'à présent. Les noms dit mental slave, yo esclave mental. Immédiatement nous dit faut nous casser chaîne qui nan cerveau. Écoutez ay gon bel chanté carnaval côté li parler de casser chaîne dans cerveau. Donc c'est pour carnaval 2004 là, l'on t'a pas fêter 200 ans d'indépendance. Et effectivement, sous pas casser chaîne qui nan cerveau moun. Mon a toujours été complexé par rapport à créole. Il y a pour honte parler créole et là gon blocage dans cerveau parce que gagne un microbe dans cerveau, gagne un virus de préjugé que maintenant cerveau qui fait que monde qui parle français, il pensait que le pi plus parce que monde qui parle créole. Pas tout le monde. Mais si un monde parle français ou pense au plus parce que monde qui parle créole, monde ça faut aller garder pour combien chaîne qui m'a réservé la mesurer comme mètre comme kilomètre et pour aider le par l'éducation dans le respect casser chaîne ça pour pas complexer de la parler langue maman et me prend créole me ta capable prendre n'importe quelle autre langue africaine côté si mon n'a pas bien éduqué il gagne doit sentir l'inférieur parce que le pas parler anglais ou le pas parler français ou le pas parler une langue que ancien colon te parlé donc psychologie a li aider nous découvrir côté microbe ça yo caché côté chaîne mentale ça yo yé pour aller chercher retirer yo en linguistique très souvent yo parlé ou de langue minorité par rapport à langue majorité est-ce que youn gen doit dominer l'autre non youn pa gen doit dominer l'autre
Mais pour ou ka aider que yon pa aider pa dominer l'autre, li bon pour entrer dans tout aspect langlan au niveau philosophie. C'est pour ça doctorat, son doctorat en littérature et philosophie. Au niveau théologie, au niveau sociologique, etc. Tite livre là, c'est en zoulou que lié. Umoya ou Amagama. Umoya veut dire l'esprit. Wamagama veut dire mot, parole au pluriel. Donc, c'est the words Wamagama. The spirit Umoya. The spirit of the words Umoya Wamagama. En créole, l'esprit Moyo. Ça veut dire les bons mots qui devant m'bral garder pour moi qui ça caché derrière moi et qui ça dans l'esprit moun qui a utilisé mot ça et qui ça que dans l'esprit moun qui t'ai utilisé mot ça dans telle circonstance tel genre etc. Donc déjà dans titre là nous indiquer route psychologique que nous bral prendre et ça permet nous pas trop de difficultés. Là, on a passé de psychologie à philosophie, de philosophie à théologie, de théologie à sociologie, de sociologie à linguistique pour faire travail là. Donc, titre là, déjà, en créole, l'esprit, moyo, montrez-nous que nous ne pouvons pas garder moyo et puis pour nous, l'être qu'il a dans nous seulement, sans ne pas garder ce qui a passé dans l'esprit moun qui a prononcé moi. Vous avez 456 pages qui là. Notre travail, ça. Il y a plusieurs découvertes ces souterrains ici comme faire en Afrique et que moi mettez en dedans travail là. Mais très souvent, c'est comparer yo avec Salakai pour qu'a montrer qui gens nous proches au niveau psychologique, qui gens créole avec langue africaine t'apparaît éloigné au niveau linguistique. On pas qu'à raconter toute découverte ça parce que j'aime dire encore ça quand devant lien pour aller tout à l'heure puisque l'université va le publier. Simplement qu'à signaler quelques petits points moi crois qui est important. Un gros problème nous gagne la caille. C'est problème bon Dieu. Pour que ça me dit c'est problème bon Dieu, c'est parce que ils utilisé bon Dieu depuis sous temps l'esclavage, les Christophe Colomb était paraît avec croix pour le cas rentrer dans l'esprit monde. Qui était esclavio, que c'est dans le nom de Dieu même qu'il a venu civiliser. Depuis le ça jusqu'à Kounia, l'ordre dit bon Dieu, faut aller chercher garder moun qui tande là qui ça le comprendre. Moun qui dit là qui ça dans tête li. Est-ce qu'il comprend ça l'a dit et moun qui écoute est-ce qu'il comprend même bagaille? Parce que sinon ou capable utiliser un mot important bon Dieu pour kembe chaîne qui dans cerveau toujours dans cerveau. Les moun par exemple prend ganga si ou aller Congo ou parler de ganga ou bien ou aller Tanzania ou aller Ouganda on dit Tanzania Ouganda Rwanda Burundi ça nous relé Afrique est là mot ganga important pile en kiswahili parce que li c'est un mot que moun besoin chaque jour pour soigner moun qui malade hein Kuganga, c'est soigner, guérir. Tout le monde a aimé ça. Voilà que la caille du ganga, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que c'est quand coup c'est diable qui passe par Boko Ungan qui fait mal. Vous pensez là, il est très dangereux. Les nous utiliser un mot important en Kuganga sans ne pas regarder qui gens en 7 heures t'es utilisé mot ça et qui ça mot ça te veut dire pour eux. Parce que si m'a parlé de bon Dieu, m'ka dire bon un monde de poil ka ganga ou fait péché. Imagine un malheureux qui pa gen cob pour aller kaye docteur, pa même gen clinique côté l'a vive nan monde nan. Petite li malade. C'est un ganga kabal on té pour guérir petite là. Mais peut-être des fois malheureux a gen doit penser le fond péché s'il aller kaye ganga. Mais on gan li même tout, li gen doit font bagaille mal les conscience li poussel prend trop cob nan men moun nan pour une simplicité que li dit pour le faire pour petite là etc. M'pa vle di de pour ganga ou fait ça qui bon ni m'pa vle di de pour parler de bon Dieu ou dit ça qui bon
Ça dépend de qui moun kap pale de bon Dieu, qui moun kap pale de Wanga, mot Wanga tout, ou je n'ai nan Isizulu, ou je n'ai nan Kiswahili, ou je n'ai nan Creole. Donc, l'important pour nous découvrir un rôle moyo, sens moyo, force moyo, tradition que moyo pote avec yo. Si nous peut garder tradition, nous ka continuer à utiliser même moyo pendant que nous pas ta remet continuer à serrer chaîne qui dans cerveau. Ça c'est un bagage moi quoi qui extrêmement important pour que les yon moun utilise un mot. Si ou gen possibilité al nan racine moa, al nan mwel moa, pour ou réfléchir sur est-ce que jodi elle nous dit tel mot, li gen même sens avec les yon te kon dit tel mot avant 1804 ou tout de suite après 1804, etc. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est presque tout partout côté que tu as l'esclavage. Par exemple, soit à l'Université d'Afrique du Sud, ici, un département qui est le département langue africaine. Département ça important parce que non seulement il permet étrangers qui veulent apprendre la langue africaine, il permet petites cailles africains qui en Afrique continuer découvrir valeurs, richesses qui chita en dans langue yo. Il y a 11 langues officielles ici. Il y a 4 là dans tout proche. Ici Zulu, ici Xhosa, ici Swati, ici Ndebele. On parle ici Zulu. Sans problème, les me rencontrer avec eux et me pas gain difficulté comprendre tous les trois autres ça yo. Même si me pas capable parler aussi bien que ici Zulu, même comprendre tous les trois autres yo. Ça veut dire que yo proche une de l'autre. Si qu'on est là moi monter dans nord ici en Afrique du Sud. Bon, m'a commencé parler ici Swana avec mon yo. Me pas parler langue j'aime faire en Zulu. Mais je suis capable de parler avec eux et après ça, ça a changé. Et l'aime changer, si je parle Zulu, je ne parle pas ici Swana ou bien ici surtout, il y a un pont de contact. Et bien, dans l'université, c'est quand vous mettez un laboratoire pour comparer les langues. Pour voir qui côté est proche, qui côté est différent l'une de l'autre. Et à l'avenir, est-ce que l'État peut traduire tout livre qui existait en 11 langues, en 9, en 7, en 5, ça c'est des questions pertinentes que yo posez pour moi. Réfléchis sur lui. Actuellement, il y a une recherche importante qui est dans la découverte, nous avons parlé de l'Otalea, que m'a fait. Moi, je l'ai polyglotte mnémonique. Ça veut dire que m'a développé une méthode qui pour aider les gens qui polyglotte, donc les gens qui parlent 4-5 langues, apprendre une sixième langue plus vite. Mnémonique, pour avec mémoire. Donc là encore, psychologie est importante pour l'aider à découvrir le fonctionnement de la mémoire. Eh bien, c'est intéressant pour les gens qui parlent l'école, ou bien qui fait le préparatoire 2 ou bien élémentaire 2 la caille Boy Sit. Il est capable de parler facilement trois langues parlées. Et pour l'apprendre au quatrième, il n'y a pas de problème. Si on est là, on en veut, il y a une possibilité, eh ben, ce n'est pas seulement la langue africaine qu'il est capable d'apprendre, mais il peut apprendre diverses langues. Moi-même, je suis sorti en Haïti, ça n'a pas empêché que si je rencontre avec un Allemand, nous parlons, pas de problème, n'a parlé. Moi, je suis juif, n'a parlé l'anglais. Nous virer en portugais, nous parler italien, nous parler espagnol, nous parler. Je ne dis pas ça pour me dire valer la langue que je parle, mais je dis ça pour me donner un exemple bien concret, comme un haïtien qui est en pile d'autres haïtiens qui sont plus intelligents passés, si vous avez joué la même possibilité de me joindre, eh bien, vous avez parlé facilement une douzaine de langues. Tout. Ça veut dire que c'est voix bon, c'est moyen manqué. Ou virer en Afrique, c'est voix bon. C'est moyen manqué parce que grand pile monde qui pas à l'école en Afrique pour même raison que colon yo t'ai empêché que yo à l'école et yo t'ai empêché nous même à l'école. Donc connaissance là li pas marcher à couleur monde. Connaissance c'est en dans cerveau allié et cerveau il pas gain couleur. Ça veut dire que si monde n'a joine moyen, joine possibilité, même j'en moi capable en dizaine langue facilement, li capable parler une douzaine langue facilement tout. C'est pas tout monde qui doué pour parler en pile langue.
Mais il a utilisé la même puissance qui est dans le cerveau pour faire des choses qui sont extraordinaires comme des génies. La caille, nous avons des génies par milliers. C'est moyen qui pas gagné. Ici en Afrique, c'est génie sous génie qu'on a rencontré. Mais c'est moyen qui pas toujours gagné pour développer toute capacité qu'on a gagné dans le cerveau. Donc, moi, je crois que c'est assez clair. Si je prends exemple la langue, nous avons viré en mathématiques, nous avons viré en physique, nous avons viré en chimie, pour que les gens que les colons ont fait un gros travail, ils ont été injectés. Il y a un virus de complexe infériorité dans le cerveau monde, mais au fur et à mesure que nous avons avancé, eh bien, faut nous réduire les dégâts que le virus ça a fait pour libérer le cerveau, pour le cerveau être capable de continuer à faire merveille. J'aime dire et redis encore, l'expérience que nous avons fait ici dans le laboratoire linguistique, nous prenons une simple question polyglotte à pneumonique, avec tout contact que nous fait, toute recherche que nous fait sur lui, nous avons pu devant prouver que ou bon monde qui parlait 4 langues, en combien de temps m'a fait mon ça apprendre une 5e? Ou bon moun qui parle 5, en combien de temps m'a fait mon ça apprendre une 6e? Parce que c'est pas moi pour le mettre ça dans le cerveau. Non. Il est déjà là. C'est un nick aider m'a aider cerveau à développer plus vite capacité le gain pour apprendre la langue. Et même ça nous dit pour linguistique là, nous capable dire pour l'autre champ de recherche tout. Afia nibora kuliko mali. Ça c'est un proverbe en langue swahili qui voulait dire santé, puis important, puis bon, pas ses richesses. Santé, puis nécessaire, puis important, puis bon, pas ses richesses. Afia, santé, en swahili. La caille, l'eau n'a mis un paysan qui prend le travail. Youn n'a pas qu'à observer, il prend un grog. Il boit ta fia. Et l'elfin boit gros, là, il boit ta fia. Il sentit 10 hommes parce qu'il sentit en forme pour le travail. Il chante, il travaille, il est content. Afia. Si vous demandez, il y a de cela 3, 4, 5, 6 ans, ça m'a afia, vous dit. Ça m'a ta fia, vous dit, m'a éclairé. Mais si vous demandez, quand racine yo sorti, je ne connais pas. Si je ne peux pas qui soit Hili, je suis Afia Nibora, Kuliko Mali. Et pour moi, Afia, tout près, Tafia. Afia, Tafia, dit tout près. Et Ta, en qui soit Hili, indique ça qui pourrait le passer, puis devant, c'est le futur. Ça qui pourrait le fait. Ni Ta Ona, m'bral oué. Ok? Donc, ou prend ta ou coller là avec afia li vinn ba ou tafia li gen une indication de ça pral vini et en même temps moa afia tafia ouais tout proche. Alors moi prend ti exemple ça qui très simple pour montrer qui jan santé a son force. Force là c'est un pouvoir mental. Pouvoir mental là ou senti dans cerveau ou senti dans ou même ou senti ou en forme sous compact en bon créole pour qu'a fait son envie faire si c'est au travail ou rien pour faire etc. Là par exemple nous passer de réalité moa letio à réalité culture là c'est intéressant pour que gens des fois yo connectable ou bien yo connecté. Il y a plusieurs autres mots comme ça que nous sommes capables de continuer à détailler, j'en dis dans le travail de recherche là, nous avons besoin pile là-dedans. Pour moi, je crois que regarder l'attitude des gens qui veulent imposer la langue parle par rapport à des gens qui respectent la langue de l'autre monde. Tout de suite, tout, on peut dire que les gens qui respectent la langue de l'autre monde sont déjà plus libérés mentalement. Je me fais écrire ici. Pendant que je apprends la langue africaine, il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on parle africains? Je dis, ekani africains, ma exalera. Ça, c'est une phrase en africains qui veut dire, je ne pas qu'on parle la langue, mais je apprends ni. Son un respect que m'baille les m'indiquer que m'bra l'apprendre.
même si nous sommes obligés de choisir d'apprendre l'autre langue plus vite que la langue ça, mais les gens qui parlent la langue ça, africains, blancs, ils sentent que montrer respect pour eux. Et je pense que c'est ça pour nous arriver tout partout. Là, nous comparons langue à langue. Pas une langue qui est supérieure à l'autre langue. Pas une langue qui est plus importante que l'autre langue. Parce que chaque langue est plus importante pour les gens qui parlent là comme langue maman. Donc, il y a une égalité entre langues, une égalité entre les gens. C'est là le respect de la langue qui est important. Parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous connaissons ça, ça veut dire. Respecter les gens, respecter la langue de l'autre monde. Mais très souvent, ils ne respectent pas le créole. Et ils ne apprennent pas à respecter la langue de maman. Ils plutôt mettent un microbe dans la tête de la pour que les gens complexent, pour que les gens sentent plus s'ils parlent plus français. Alors que oui, c'est bon pour apprendre à parler français, sans ne pas mépriser le créole. Donc, je voulais signaler l'importance, respect qui gagne entre moun ak moun et qui doit gagner entre langue ak langue. Faut garder et lo ap wè moyo, racine moyo et lo ap chercher ça caché derrière moyo. Lo wè mo créole yo, let yo, li pi proche français qui c'est petit latin. Lo wè l'esprit qui caché derrière moyo, li pi proche Afrique. Parce que mentalité africaine, la culture africaine, la tradition ancêtre nous, les gens qui étaient vivants entre eux, les gens qui étaient gourmés pour la liberté, eh bien, ouais que c'est l'esprit ça qui traversait la langue créole là et qui traversait les gens qui parlaient la langue là, l'ont pour observer. Si vous arrivez à la caille, où je nous la cour a déjà montré l'Afrique. Parce que en Afrique, où j'en la croix tout, et la croix c'est image ou famille. Parce que dans la philosophie africaine, non, un monde ou c'est un monde tout bon, les ou vivent en communauté, leur vivent en famille. C'est communauté qui permet qu'on ca identifie comme un monde tout bon. Si ou son grain 5 ou pas mais la monde ou pas comme monde tout bon pour africain. Ça c'est ça nous joigne dans ancêtres nous, c'est ça nous joigne dans tradition africaine dans la culture nous. Mais là où tu as parlé créole, l'esprit ça c'est lui qui t'a guidé yo. Et c'est l'esprit de famille là qu'on va jouer dans la cour côté mon a parlé créole toujours pour que ça moun voyer un plat manger ba un l'autre moun les voisins pas manger et puis les recevoir un plat manger de voisin. Ça veut dire que gon solidarité montrer que c'est un coup famille y a vivre. Mais là y a fait ça c'est pas en français non y a parlé. C'est en créole y a parlé. Et l'oral caché, l'oral garde ça caché derrière l'anglais, où est l'esprit famille ça, où est qui côté le sorti en Afrique. Et civilisation Ubuntu, ce n'est pas seulement un bail qui est important pour les Haïtiens, comme petite l'Afrique, c'est important pour le monde entier. Parce que dans le monde entier, où est que c'est l'argent, c'est intérêt, c'est pouvoir pour pouvoir, pouvoir politique pour pouvoir politique, pouvoir l'argent pour pouvoir l'argent. Plus le monde a pouvoir politique ou bien pouvoir l'argent, c'est plus ils sont capables de craser l'autre. Donc, il n'y a pas faire solidarité avec vous. C'est pour ça que vous parlez de globalisation. Quand vous avez une grosse machine qui marche, crasé petit, crasé malheureux, crasé pauvre, sans ne pas avoir aucun rapport avec solidarité, moun ak moun, respect, moun ak moun. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas parler l'anglais sans ne pas comprendre qui côté l'anglais sorti, qui l'esprit traverse les gens qui étaient accouchés l'anglais. Je dis à qui ça pour fait pour nous faire l'esprit solidarité, l'esprit de famille, l'esprit respect ça continuer manifester dans tête monde qui parle l'angla. Et plus nous faisons, c'est plus n'a vinn fort parce que on ca comparer une langue à un pied bois. Pas un pied bois qui camper pour résister les cyclones a passé s'il pas gain racine qui font. C'est même avec une langue. C'est même avec un peuple. Pas un peuple qui capable camper dans mitan l'autre peuple si il pas respecter langue parle parce que langue parle c'est racine ni. Donc très souvent moun a coupé racine ni sans le pas connaître ou bien yo fait le couper racine là même pour le capable gagner un complexe d'identité un complexe et une infériorité qui fait le sentir inférieur parce que langue parle la son langue inférieure donc le sentir inférieur non pas rien ça et c'est toute une éducation pour faire l'un a parlé de langue pour que moun pas considérer langue parle la inférieure et gardez anglais.
Africain parle anglais avec accent pâle. British là, anglais qui soutient l'Angleterre, il parle anglais avec accent pâle. Américain, il parle anglais avec accent pâle. Grammaire li pour nous toutes. Mais capable gagner une différence de accent leur parler anglais sans que ou pas obligé sentir que faut ou parler même gens avec blanc américain pour qu'a sentir ou supérieur. Non, blanc américain pas supérieur et blanc anglais pas supérieur blanc américain, africain pas supérieur américain, américain pas supérieur africain, nous égal. Nous tout égal. Gon différence dans gens yo parler anglais. Mais ça ne veut pas dire que y a une différence une qui pi haut par rapport à une qui pi bas par sa pièce. Et je pense que si nous faisons une enquête la caille pour nous qui ça moun pense de créole, est-ce que le pense que créole là li égal égal français égal égal anglais égal égal allemand égal égal l'autre langue, pour nous voir combien moun qui pense comme ça et combien moun qui malgré que yo passé l'école ou plutôt à cause de l'école yo passé yo vinn complexé. Et là, son travail d'éducation demande en pile habilité, en pile intelligence, parce que les racines ne finissent pousser, ou bien les microbes la finissent font gros travail dans le cerveau, il n'est pas qu'à sortir en 2 minutes, ça prend temps. Oui, cette question-là fait penser à semaine ça. Nous avons regardé des nouvelles dans le canal TV5 en langue française, dans Assouet. Et puis, il y a un Français qui a parlé français en France. Et puis les rives en côté, les dit en bon français, stand by, et puis le continue. nous rit parce que c'est nouveau pour nous. Français, longtemps, t'es tellement fier de langue française, y'a pas mêlé avec anglais. Au là, m'tendez un français, qui a parlé français en France, et qui, dans la phrase là, il dit en bon français, stand by, et puis il continue. Il n'a pas même dit en bon anglais, en bon français, stand by, red campé, red ton. Pour montrer qui Jean français a, anglais a envahi. Et anglais a, l'a continué envahi en pile langue. Moi, pensez, l'a difficile pour nous bloquer anglais. Je ne t'aurais même bloqué si nous t'avions bloqué.